Je m'appelle Hussein Abderrahmane, 26 ans, international mauritanien, joueur à Molenbeek. C'est parti. J'ai débuté dans le club de ma ville, CS Lyoncourt. Et par la suite, après, j'ai été recruté par Strasbourg. Et il y a eu un dépôt de bilan. Et après, ensuite, j'ai enchaîné plusieurs clubs amateurs. Et aujourd'hui, je me retrouve à Molenbeek. Je crois que c'était en 2016 ou 2015. Je jouais à Raon-l'Étape. Et on avait fait une bonne saison. Et à titre individuel, j'avais fait une bonne saison. Et j'ai reçu l'appel du coach Corentin Martins qui était intéressé pour me voir. Et du coup, j'ai été convoqué pour un match amical contre le Canada au Maroc où j'ai pu jouer quelques minutes et où j'ai pu rencontrer les joueurs, le staff et découvrir l'équipe nationale. Ça représente beaucoup puisque ça représente tout ce qui vient du côté de mon père, l'éducation que j'ai reçue, tout ce qu'il m'a appris, ça représente vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, j'en suis fier puisque ça m'a apporté énormément dans ma vie en tant que personne et en tant que footballeur aussi. Au début, j'y croyais pas trop et j'y ai cru et... Au début, ça m'a fait bizarre puisque j'étais dans un club amateur et j'ai toujours eu confiance en moi, mais je ne m'attendais pas trop à ce que la sélection m'appelle de là où j'étais en fait. Et ça m'a fait bizarre, ma première sélection, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait un choc. Et après, par la suite, on s'y habitue et c'est toujours un plaisir de venir ici. La sélection, ce que je peux remarquer, c'est que à chaque rassemblement, on évolue. Chaque rassemblement, on évolue. Que ce soit les joueurs, la mentalité, dans le travail, on évolue tous. On prend du plaisir à venir ici, les expatriés. Et il y a une bonne entente entre les locaux et les expatriés. Il y a beaucoup de qualité, je trouve, que ce soit en Mauritanie et les joueurs qui jouent à l'étranger. Et il y a une évolution, mais ascendante de la sélection, c'est indéniable et je pense que c'est à nous de nous fixer nos propres limites et on peut aller là où on ira le plus haut possible. Ce qui m'impressionnait, c'est que déjà je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien structuré en Mauritanie. Ce qui m'a impressionné, c'est les installations. Les installations, puisque je pensais pas que le pays, que mon pays d'origine avait évolué autant. Et ça m'a vraiment impressionné. Et voilà, je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est ça, je pense. C'est mon plus beau souvenir en tant que footballeur. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans le foot. Et je suis très heureux d'avoir participé à la qualification de mon pays. Et c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans le foot. À titre personnel, mes objectifs, je pense, c'est d'aller... J'ai pas de limite. Je sais que j'ai des qualités que je peux aller au-dessus. Et j'ai des ambitions. Et je vais travailler pour aller le plus haut possible. Et je vais tout donner sans avoir de regrets. Et avec la sélection, ce serait maintenant, comme la qualification elle est pour la CAN elle est faite, il faudrait se qualifier pour les qualifs. Il faudrait passer les qualifs de la Coupe du Monde et essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde.